Good morgen, allez, Iden, les yeux, aujourd'hui, le Nishmat, Moura, Bishmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Ahuda, Sarah, Batrana, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Shlomo, Nissim, Ben Sarah, ainsi que l'Urfouat, Avraham, Ori, Ben Reout, Botor, Char, Chol, Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishak, on a 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet, Menachot, Perek, Bet, Mishnah, Dalet. Azevach, Mefagel, et Anesachim, Mishé, Kadshu, Bichli, Divrei, Rabbi Meir. Ben Esachim, Einan mefaglin et hazevach. Keitzad, ashochet et hazevach lechol mimenu lemachar, hu unechasa unesachav mefugalin. Leakriv men anesachim lemachar, anesachim mefugalin, hazevach eino mefugal. Mishnah très simple, c'est le même principe que la Mishnah précédente, sauf que cette fois-ci ça valait d'après un seul avis, tandis que les Chachamim ne sont pas d'accord avec toute la Mishnah en fait, on expliquera tout. Bezrat Hashem, on commence dans l'ordre. Tout d'abord, on continue avec l'interdit du pigoul. Ça implique, pigoul c'est répugner. Lorsque j'apporte un korban, je dois faire un échantillon au misbéach pour pouvoir permettre la consommation du reste du korban par les kohanim ou par le propriétaire. Si, au moment où j'ai fait l'échantillon, j'ai eu l'intention de consommer le korban au-delà des limites de temps permises, fixées par la Torah, je transgresse. Je rends le korban pigoul, je le rends répugné. Dans notre Mishnah, maintenant, la Mishnah précédente, on a déjà évoqué un principe où l'échantillon que l'on va apporter va permettre deux choses. Ouais, dans la Mishnah précédente, on a évoqué le cas, par exemple, d'un korban toda, où je vais pouvoir manger la viande et je vais même aussi pouvoir manger le pain qui va avec. On avait appris le principe, si tu as eu une intention de consommer l'essentiel au-delà des limites de temps, donc tu as rendu l'essentiel pigoul, même le petit supplément, la petite garniture, elle est devenue elle aussi pigoul. Mais si tu as eu l'intention de consommer la garniture au-delà des limites de temps, alors la garniture, elle a été nifsel, elle est devenue pigoul, tandis que l'essentiel, il n'est pas pigoul. D'accord ? Principe très simple, qu'on a bien compris, Baruch Hashem. À présent, dans notre Mishnah, on va parler d'un cas similaire, bien qu'il fait en fait l'objet d'une discussion. Pour la plupart des korbanot que l'on apporte au Beit HaMikdash, il fallait aussi apporter des nesachim, apporter du vin qu'il fallait verser là-bas. Il y avait dans les chitines, il y avait deux trous, un des deux trous qui était spécialement pour le vin, où on versait là-bas le vin, ça faisait partie du rituel. Donc en fait, lorsque j'apporte un korban, le matir, l'échantillon que je vais faire, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre la viande au propriétaire, il va permettre de prendre les graisses et de les faire monter au misbéach, il va permettre aussi le vin que je vais pouvoir le verser sur le misbéach dans ce dispositif spécial là-bas où on versait le vin. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que il a apporté son corban, il a aspergé le sang. Alors, selon le même principe, s'il a eu l'intention de manger la viande au-delà des limites de temps, il a rendu le corban pigoul, et même le vin, l'oblation de vin, elle va devenir invalidée, elle va devenir aussi pigoule, parce que l'essentiel qui devient pigoule et répugné fait que même le superflu, il devient lui aussi pigoule. Tandis que s'il a apporté le corban avec intention de manger le corban en temps et en heure, mais le vin qu'il avait déjà versé dans l'ustensile, il s'est dit, lui, je le garde jusqu'à demain, et demain, je le verserai sur le misbéach. Alors là, Rabbi Meir va nous dire, ben, tu as rendu pigoule le korban, mais tu n'as pas rendu pigoule le... tu as rendu pigoule le vin, mais tu n'as pas rendu pigoule l'essentiel, le korban, parce que le superflu n'influence pas l'essentiel. D'accord ? Chachamim ne sont pas d'accord sur ça, je vais vous expliquer après. Pour le moment, on fait toute la Mishnah, on l'a traduit parce qu'on a tout compris. Azevach mefagel et anesachim. L'histoire avec Chachamim et Rabbi Meir, ça va être dans ces mots-là. Mishé kadshu bikli. C'est là où ça va jouer la petite nuance. Et c'est, on va expliquer ensuite. Azevach, donc je recommence. Azevach mefagel et anesachim. Le korban, le zevach, l'offrande, rend pigoul, influence le statut du pigoul sur les nesachim, sur les oblations de vin que l'on va verser sur le misbéach, qu'elles vont elles aussi devenir psoulot, pigoul, miché kadchou bitli, à condition bien sûr qu'elles ont déjà été versées dans l'ustensile du misbéach. On va expliquer pourquoi. Pour le moment, vous n'êtes pas capable de comprendre, à mon avis. Divrei Rabbi Meir. C'est-à-dire, ceux qui se souviennent de quand on a étudié Zvachim, que là-bas, on a vu la même marque loquette, alors ils ont peut-être une chance de s'en souvenir. Moi, personnellement, j'avais déjà oublié. Sauf que en préparant la Mishnah, j'ai déjà revu.
D'accord? Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Ensuite, on continue. Par contre, Rabbi Meir continue à parler en nous disant maintenant le réciproque, qui n'est pas vrai. Va nesachim enam mefaglim et azevach. Par contre, l'intention sur les nesachim, sur l'oblation de vin, ne va pas rendre pigoul le korban. Keitzad, comment se présente le cas? Ashochet et azevach, celui qui va égorger un korban. Lechol mimenu lemachar, avec intention de manger un petit bout de sa viande le lendemain. Donc dans ce cas-là, hou, on est sachav, mefugalin. Lui, comme les nesachim, tout comme l'oblation de vin, tout est devenu pigoul de la sorte. Par contre, les hakriv et anesachim, les machav, s'il a une intention juste de verser le vin dans les chitines, dans le dispositif du misbéach, de le verser là-bas, que le lendemain, mais que le vin, la viande, il va la manger aujourd'hui. Alors, anesachim, mefugalim, les nesachim sont devenus, donc l'oblation de vin, il est devenu pigoul, interdit de le boire. Si un juif qui va partir prendre ce vin et le boire, il va le boire, il va être hayav karet. Par contre, ve'azevach eino mefugal, tandis que le korban n'est pas devenu pigoul, parce que le nesachim, c'est une garniture de la viande, donc lui, il peut devenir invalide tout seul, il peut devenir pigoul, mais il ne va pas influencer le statut du korban lui-même. Voilà pour l'avis de notre Mishnah. Maintenant, il faut juste expliquer un petit peu mieux c'est quoi l'histoire avec Rabbi Meir et Rami. En fait, ils discutent d'un autre détail. Ils discutent tout simplement que toute notre Mishnah se fonde en fait sur une halakha particulière, que lorsque j'apporte un korban, je dois apporter aussi une oblation de vin. Il y a tout d'abord une halakha. Certes, je dois apporter du vin, mais je ne suis pas obligé de l'apporter aujourd'hui. Je peux le faire, je peux apporter mon vin, mon korban aujourd'hui, et l'oblation dans 2 semaines, même si je veux, il n'y a rien qui m'en empêche. Peut-être qu'il y a une mitzvah de le faire sur place, je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de le faire spécialement aujourd'hui. De ce fait, si toutefois, aujourd'hui par exemple, j'ai apporté mon korban sans l'oblation, je me dis, mais dans 2 semaines, quand j'apporterai mon vin, alors lui, ce sera un vin que je boirai pendant 2 jours. Ben, je ne l'ai pas rendu pigoul, parce que pigoul, j'ai pas rendu le vin dans 2 semaines, je ne l'ai pas rendu pigoul tant qu'il n'est pas là. Le pigoul ne concerne que ce que tout de suite j'apporte un échantillon qui va permettre l'autre chose. Mais si l'autre chose elle va être permise de toute façon sans aucun rapport avec le korban, parce que le korban je le fais aujourd'hui et l'oblation de vin je le fais dans 2 semaines, il n'y a pas de rapport entre les deux, donc il n'y a pas de pigoul qui influence. La question maintenant est de savoir si j'apporte malgré tout l'oblation de vin aujourd'hui, est-ce que cette fois-ci le korban, le pigoul, je vais pouvoir rendre pigoul l'oblation de vin puisqu'elle vient aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une insistance sur le fait que Michel Kidchou Bikli, c'est que l'oblation, j'ai du vin que je prédestine à faire l'oblation du korban que je vais apporter. Maintenant, pour le moment, ce vin-là, il est certes kadosh, mais il n'est pas encore du chatagouf, c'est pas encore un élément de korban. Jusqu'à que je vais le verser dans un ustensile du Beth Amikdash. Lorsque je vais verser dans le sens du Beth Amikdash, alors là, il va prendre la gdusha du korban qui va nécessairement être obligatoirement offert aujourd'hui et pas plus. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur Meshé Kitchou Bikli, que maintenant, il a pris un statut de korban. Sur ça, Rabbi Meir va nous dire, alors dans ce cas-là, puisque c'est possible de rendre pigoul le vin, alors sache que maintenant, je te donne toute sa lachote que le statut de la viande va influencer le vin, mais le statut du vin ne va pas influencer la viande. Tandis que Rami va nous dire, aucun rapport. Le vin ne peut jamais devenir pigoul à cause du korban, puisque le vin peut être apporté ultérieurement, donc il n'a plus de rapport direct avec le korban. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, ça va.